J'étais au top. Faut dire que j'ai un gros avantage. Je suis canon. Le célibat, c'était pas mon truc. Et ça, je l'ai vraiment compris le jour où je vais nous voir vieillir ensemble. C'est fini. Je sais, c'est dur à avaler. Benjamin, arrête. Mais promets que tu me quitteras pas. Et sois digne, merde. Statistiquement, un tiers de la population des trentenaires est ou deviendra célibataire. T'es mes affaires dans le sac poubelle ? 3 ans de ma vie dans un sac poubelle ! Faut lui trouver Nana. Comment vous pouvez espérer lui trouver quelqu'un ? Votre vie, c'est un désert total. Non mais qu'est-ce que tu racontes ? Moi, c'est uniquement parce que je veux être avec personne. Hein. C'est un choix, c'est tout. Laisse-moi t'aimer. Tout tu... Laisse tomber maintenant. Tu vois bien qu'elle veut pas te parler. Voici comme tu me l'as demandé dans ton précédent mail. J'ai mis du temps à te l'envoyer car je suis un peu complexée par mon gros nez. Pauvre mec. Elle est pas belle la vie. Des potes, tartines de foie gras, du saucisson d'âne et aucune greluche qui rende des comptes. C'est dingue, je pensais justement à toi. Râteau, ça prend un ou deux thés. L'avantage quand t'es célibataire, c'est que quand tu rencontres une jolie femme, tu regrettes pas d'en avoir une moche à la maison. J'ai pas bien compris. Laisse tomber. Mademoiselle, ce soir je vais vous prendre en photo. C'est un hommage à la poitrine de la femme dans la rue. Tu veux que je demande mes seins ? C'est ça, exactement ça. Mesdames, vous avez 7 minutes pour séduire. Mais pourquoi je trouve pas un mec bien ? Je demande pas grand chose. Un peu de tendresse. Ça va les mecs ? Mais là voilà une chute piquée ton sac, salope ! Et une de perdue.